Mais quel âge à l'arrière? On a 16 ans. Non, on a 21 ans. On a 21 ans chacun. Détachez votre ceinture tout de suite. Détachez votre ceinture immédiatement. Je peux pas sortir. Non, Fabien, tu sors de la voiture. Non. Sortez d'ici les minutes. On a autre chose à foutre que de dire. Écoutez. Mais bah justement, on ne peut pas vous vendre de l'alcool si vous avez moins de 21 ans. Mais on a plus d'argent. Non, vous avez dit que vous avez 16 ans. Je bouge pas. Bon, on y va à pied, hein. Putain. Attends, j'essaye. Mais... Ah! Allô? Ah! Putain! Il y a eu un problème. Mais je vous Je vais me le faire. Une fois que je me serai remis la clavicule, je vais te faire bouffer tes couilles par le cul! Vous avez demandé un médecin? Ah bah dis donc monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? On dirait qu'on vous a roulé dessus. Il faut pas rester sous les camions. Je crois que vous avez écrasé ma collègue officière docteur. Mais pas du tout. Je suis docteur, je suis professionnel. Elle est sous l'ambulance. Ah bah qu'est-ce qu'elle fout là aussi? Faut pas rester sous les ambulances. Oui, c'est vrai, ça faudrait peut-être la déplacer. Ouais, bah on va s'en occuper tout de suite, hein. Oui, voilà. Mais pourquoi, hein? Parce que j'ai pas envie de te retrouver dans un caniveau, hein. Et rappelle-toi, Kelly, hein, c'est en suçant n'importe qui qu'on avale n'importe quoi, hein. Punchline réussi, coupé, générique, hein. Ça va, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Ils sont où? Alors, excusez-moi, parce que du coup, je me retrouve en enquête paranormale. Je n'ai... Bon bah, oh d'accord. Oula, bonjour le co... Oh vous avez vu le con? Elle a mis contre en dehors. Drich, je sais pas qu'est-ce que tu veux... Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Ducour, vous avez pas de manière? Le chien, il a calé! Comment ça, le chien, il a quoi? Il a calé, il a explosé! Ok, on va peut-être ouvrir, ça va? Mais qu'est-ce que tu prends, Gérard? Bon, tu... Non, c'est bon, il vient de se réveiller, mais il était calé. Oh mon dieu, Gérard, t'es vraiment un fou. Regarde-moi ce camion qui était tout neuf, mon dieu. Je suis pas concentré aussi. Ma voix intérieure me parle. Ça va, le chien? T'étais mort. Non, le chien va mieux, mais il a canné pendant pas longtemps. Bon, je t'ouvre, si ça va. Ça va, Lucie? Mais, oui, mais... Le chien, il était mort et maintenant il est vivant. Ah, mais non, regarde, ça va le chien. Eh, vous devriez monter avec moi, c'est pas sûr de monter avec le pire. Oui, je vais arrêter de monter à l'arrière, c'est fini. Oh. J'ai vu des chiens. Oh non! Ça va pas te faire écraser, hein, la série. Monsieur, on n'est pas venu pour mettre la viande dans le torchon, monsieur, vous allez voir, on va les matraquer, monsieur, comme dans NCIS. Oui, allez, on va commencer à faire, donc voilà. Oh. J'ai sur des coups de feu. Oui oui, gérez ça, oui oui. J'en ai rien à foutre. Dès qu'il y a un problème, vraiment un problème, t'envoies la radio. Je m'occupe des femmes. D'accord, ok. Là ici donc. Poussez-vous. Donc déjà la radio. T'as l'air vachement sûr de toi. Alors je t'assure que c'est bien dans la conduite, mais être trop sûr de soi, c'est pas fou. Donc, attends, j'ai vu un truc. Meuf, t'es trop dissipée, c'est terrible, t'auras jamais ton permis. Regarde, c'est une voiture derrière. C'est qui ce bolos là-haut? Ah oui, c'est bon. Ce bolos là-haut, oh, putain. Ils ont tous des têtes de vie et c'était... Ouais, c'était pas une bonne dessus. C'est une catastrophe. Ouais, tu fais quoi? Rien, allez, on y va.
Ona. Oui. Pourquoi? Pourquoi tu t'es masturbé dans mon vomi? Bah non, moi je suis... T'es quand même dans un piteux état, monsieur. Ah mais je l'ai soigné. Bah ouais, ouais. Ah oui. Non mais... Ça me va, moi. Mais vous m'êtes pas très aimable. Voilà, et pourtant, je suis votre aîné, hein. Attends, vous êtes en train de me dire que je suis pas très aimable, c'est ça? Ah bah vous non. Vous voulez que je vous montre c'est quoi, mec pas très aimable? Bah ouais. Vous voulez que je vous montre, mec pas très aimable? Mais... Bah, monsieur, allez, papy. Monsieur, vous allez frapper... Vous allez frapper... Vous allez frapper un vieil homme, mais quand même! Moi je vais le frapper, mais je vais lui défoncer la gueule en plus! Ah bah attends, ouais, moi aussi, hein! Attends, ouais! Moi, ah bah non, ouais! C'est ça que tu vas, hein? Tiens! Alors là, excusez-moi un peu! Ah dégage! Mais poussez-vous là! Allez! Viens placer le petit coup, monsieur, tu vas faire quoi? Non mais ça va là! Allez, tiens, pense! Oh bah! Ah moi, monsieur! Mais c'est pas vous que je visais, vous! Bourrez-vous, vous travaillez à l'hôpital, je vais pas vous taper à vous! Ah bah vous tapez personne, monsieur, après c'est moi qui dois les soigner, monsieur! Non, clenche pas ta gâchette. Oh. Non, non, ne me dis pas que vous devez appeler les secours. Oh, t'es vraiment un trou du cul, putain. Mais bon, on se casse. Mais t'es vraiment un trou du cul. On a genre, je sais pas moi... Voilà, non, voilà, a... voilà, 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 voilà. Ici, mais c'est pas caché du tout, Mino. Attends. Oh, regarde. Oh. Là. Ah oui, ça c'est bon. En vrai, ça c'est bon, ça. Voilà. Parfait, super. Tu crois qu'on peut en tirer des thunes de ça, d'ailleurs? Justement, je me pose la question. Tiens, dis donc, pendant qu'on est parti dans de l'amour, là, tu ouais. connais Tidon, la fellation bretonne? Non, que... J'ai découvert Attends. Ça quand j'ai voyagé en France, mais dis donc, c'est d'une qualité incroyable, j'ai jamais vécu ça. Raconte-moi ça, le bébé. Mais je te jure, on t'enroule la kick dans du sucre, tu vois, dans une crêpe au sucre. Après, et on... Et on fait des couillamans, c'est ça? Non, même pas. Non, je te jure, donc on te met la kick dans une crêpe au sucre, tu vois, encore chaude pour le plaisir. Là, on... Ouais. On commence gentiment à te mettre un peu de beurre là-dessus, histoire de faire une crêpe sucre-beurre. Toi-même, tu connais le plaisir. Bon, par contre, après, si t'es trop gourmand, elle sort la bouteille de Grand Marnier et c'est là que ça devient tendu, vois-tu? Ok. Bah oui, parce qu'elle te la flambe, alors là, faut vite qu'elle souffle parce que... Ah, mais par contre, j'ai jamais vécu de moment aussi intense. Oh, tiens donc. C'est pas beaucoup, puis... Oh, par contre, si je me fais flasher avec cette merde... Oh, culé de merde, je me suis râpé le cul sur 500 mètres. Ah. Oh, j'ai mal au cul. J'y vais, Jean, j'y vais. Je descends. Oh, je m'arrête plus. Oh, je descends, je m'arrête plus, c'est énorme. Ok, regarde, sans les mains, regarde, je peux gagner. Regarde, non. Merde. Les patrons y dorment, moi je suis déjà sur la récolte. Du jus d'orange, du vin blanc, je ferai tous les mélanges jusqu'à ce que Donna soit fière et me ramène à ma petite mère.
sur le domaine, y'a personne, je suis ouais vraiment tout seul. Je sais pas si je peux prendre le volant comme ça. Je suis complètement jeté, envie de me branler, mais je ne peux pas car je trouve pas l'action. Mais c'est pas grave, on y va. Allez, ouais, on y va. Cette voiture, elle. On n'a rien fait du tout, je suis tout autant sous le choc que de vous, de voir des flics, de voir vous, j'ai compris. Non, ça n'a rien à voir, on vous a suivi. Fait du verre, on fait du verre. Nous, on est juste face à l'union, là, moi, je suis tout prêt de faire jamais, en gros. J'arrive à la base, vraiment, on a rien dit, champagne, je suis pas là pour. Mais je croyais que t'avais rien dit, c'est yes, moi, je suis une innocente. Eh, ferme ta gueule! Moi, je suis déjà allé en prison une fois aujourd'hui, bien sûr, merde! C'est possible! Non, mais n'en veux plus, mais vas-y, Kelly, tu m'as payé! Qu'est-ce que tu crois que Gibbs ferait dans NCIS? Je sais pas, écoute, j'ai pas regardé la série, je dois te l'avouer. Là, maintenant qu'on est si proche de la mort, je dois te le dire, j'ai jamais regardé un seul épisode de NCIS. Non mais attends, c'est maintenant que tu me le dis, non mais c'est un délire. Bah écoute, je préfère être honnête avec toi. Non mais je croyais que t'avais regardé NCIS, moi je suis venue à Los Santos Express, non mais c'est un délire. Non mais c'est pas possible. Non mais n'en veux plus, Megan, Kelly, tu m'as trahi. T'as pas regardé ce yes. Non, je suis désolée, hein. Non, c'est pas une très bonne idée. Donc, il vous propose. Demain, il vous calme. Business tranquille. Et después, quand il arrive, bonjour, bonjour, super, bonne nuit. Il y a une heure. Después, il y a un couillet. D'accord? D'accord. Si? Ok Google, est-ce que tu peux me traduire ce que vient de dire Miguel, s'il te plaît? D'accord. Miguel a dit, demain j'arrive, vous faites du boulot tranquille, et après, on dit bonjour, je reste une heure, et je vais me coucher. Si, c'est ça, il dit. Eh, merci mon pote. Eh, normal. Tout Google. Merci Google. Qu'est-ce qu'on fait, Réfé? Bah, officiellement, on est... Genre quand il touche une barre en fer, et ben en fait, il visualise la barre en fer, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, ah non, pas du tout. Ah, pas du tout, non, ok. Parce que moi j'arrive quand même à. Je suis pas avec, donc j'arrive quand même à discerner les choses. Pour moi, c'est les odeurs, je pense que c'est mon odorat qui était décuplé. Ah, du coup, vous sentez les odeurs plus que. Du coup, vous êtes une sorte. Vous êtes un chien un petit peu, quoi. Pardon ? Enfin, les chiens ils ont un odorat super développé, donc. Oui. Du coup, vous êtes un peu un chien, quoi. On va dire ça comme ça, oui. D'accord, ok. Eh, 10 camions ! Oh là là, Seigneur. Ouais, d'accord. Vous êtes prêts ? 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 Oui. Allez, c'est parti, attention ! La régie, c'est ok, les caméras, c'est ok, la lumière, c'est ok, le micro, c'est ok. C'est bon. Les Weather News en direct de la Pacifique. Allô, oui, vous êtes en direct sur Weather News. Oui, en effet, c'est un braquage, vous confirmez donc que c'est un braquage que vous êtes en train de réaliser, monsieur, c'est ça, vous appelez Weather News en tant que témoin oculaire. Si, en braquage. Oui, d'accord, qu'est-ce vous que... Vous braquez la Pacifique? Oui, la Pacifique Bank, quelles sont vos réclamations? Qu'est-ce que vous voulez dire à nos téléspectateurs ainsi que peut-être aux officiers de police qui sont en train de regarder les informations? Alors, Oui. C'est pour les... Oui. Ah, c'est bon, le coffre il a pété. D'accord. C'est bon. D'accord. Le coffre il a pété. Oh, sa gueule. D'accord. Oh, sa gueule. Oui, d'accord. Oh, sa gueule. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui. Oui, c'est bon. D'accord. Oui. Si c'est pour. Maman, coucou. Je vous explique, j'ai rien fait de mal, mais il y a qu'une chose que j'aime le plus au monde. Ouais. C'est des coups de taser dans la gueule. Pour me sentir mieux. Ok, il a un coup de taser dans la gueule du coup. S'il vous plaît. Ok. Ça va? Ça va mieux? Merci. Y'a pas de quoi, avec plaisir. Merci. Ouais, GG. Ouais. GG, j'espère que ça va bien se finir parce que je suis enceinte, GG. Mais ouais. Eh ben, on parlera ça plus tard. Hein. Allez, salut. Hein.
Ouais, ouais. Est-ce qu'ils veulent partir? Est-ce qu'ils vont libérer l'otage? Est-ce qu'ils partent sans l'otage? Est-ce qu'ils veulent qu'on les fasse partir juste après l'otage? Ok, parfait. Bah, ça roule bien en fait. Ça va? Non! Oui, Antoine. J'ai coincé le camion. Mais vous êtes parti en camion? Vous m'avez dit de pas prendre le tracteur. Quoi? Je vous ai jamais dit une chose pareille. Vous avez demandé pourquoi est-ce que vous êtes venu en tracteur, c'est tout. Ah, j'ai cru qu'il fallait pas que je le reprenne. Mais j'ai plus de camion. Mais comment je vais... Où êtes-vous? Je vous envoie ma position, peut-être. Allez-y. C'est pas vrai. Tiens, je te passe les menottes. Avant toi, mon pote. Tiens. T'inquiète pas, tu vas pouvoir bien baver en prison, tiens. Voilà. T'inquiète pas. Et monsieur l'agent, il m'a menacé avec un couteau. J'en ai rien à faire, casse-toi. Allez, partez, s'il vous plaît, monsieur. Casse-toi. Casse-toi, le zadiste. Oui. Oui, mais j'aimerais parler quand même à un agent de police. Oui, mais ça va. Oui, bah on est occupé. Alors, est-ce que vous pouvez dégager, s'il vous plaît? Oui, entrez dans la voiture, s'il vous plaît. Oui, on est occupé, on est sur une mission particulière. Vous pouvez passer au commissariat si vous avez une plainte à poser. Il y a un homme armé là-bas, et où? Putain, mais le zadiste il veut quoi? Casse-toi avec ton sarouel. Ok. Ouais. Vous vous astiquez que... Quoi? Comment? Non, j'ai jamais dit ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, vous... Pardon, excusez-moi, j'ai mal compris. Ya, sympa! Connard! Encore ces connards de rapide taxi. J'ai laissé mon camion à l'aéroport. Chanter en province et chanter aux terrasses sur les couverts qui grincent et sur le bruit des tasses. Alors j'allais à l'aéroport, à l'héliport. Du samedi soir, vite. Personne ne m'écoute. C'est comme un grand espoir qu'il faut le camp. Où sont les camions? Ils sont les camions écrits sous l'arc direction ouest. Nous avons une de nos voitures qui a été volée qui est en train de se faire attaquer. Un véhicule a été neutralisé, mon capitaine. On est sur Spanish, lieutenant, ils sont sur moi, les cadavres du véhicule vous avez neutralisé. D'accord. Les camions, s'il vous plaît. Les camions, je répète, écrit sur barre, direction ouest. Sur la position que vous avez. Direction ouest, les camions, direction ouest. Suivez l'hélicoptère. Bien joué, mon lieutenant. Ok, on va l'hélicoptère. Oui, bah c'est... J'appelle Ailey. Pascal. Qu'est-ce qui se passe? C'était pas lui? Non, c'est pas lui. Attends, c'était qui alors? Mais ça, c'est le docteur, ça, c'est le directeur de l'hôpital. Tu t'es trompé de vieux, mais j'y crois pas. Vous avez dit un espèce de vieux avec une canne. Oh merde! Ok, on le refait avec un autre du coup. C'est pas vrai! Non, mais pas le docteur Maison. Mais non, mais c'est trompé de vieux. Ah, je te jure, travaille avec des gens spéciaux. Oh là 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 là. Oh merde. Mais c'est pas lui, le vieux à la canne. Ah. Le vieux à la canne. Ah, moi, je pensais que c'était lui. C'était pas... C'est qui ce mec en... Ouais, ça serait con de se faire écraser sur l'autoroute en traversant. Putain, moi, je veux une vraie mort de super-héros. Hermana. Quoi? Si tu meurs, je mourrai. Attention! C'est bizarre. Hein. J'essaye, mais c'est à partir du moment où j'essaie de lever ma jambe un tout petit peu plus, comme si j'essayais de trottiner. Ok. C'est impossible. C'est attendez, bloqué. Je vous fais un test de réflexe là. Ouais. Ah. Ok. Je pense avoir compris. Le souci de vertèbre.
téléphone à Kiwi. Je vais l'appeler Kiwi. Bonjour madame. Il va venir Kiwi. Oh my god. Bonjour madame. Elle m'a dit qu'elle voulait t'offrir quelque chose à boire. J'ai pas compris, un poncho. Elle voulait t'offrir un poncho. Mais avant, expliquez qu'il me pourrait parer mon braille lorsqu'il sort. Tu l'as appelé à l'hôpital ou quoi? Is it Miguel? Qui c'est Miguel? Tu l'as, et tu l'as une jolie. Oh my god. Oh my god. Don't talk to me. Je l'ai rien fait du tout. You've been so abusive to my sister. Miguel, oh my god! Je l'ai tellement pas vu venir, c'est ma belle-sœur! Ah, tu veux me les faire dire à l'envers? J'ai pas dit, mais moi un truc à l'envers, mais qu'est-ce que tu racontes là? Ah, j'essaie de te comprendre, mon frère! Mais c'est moi qui essaie de te comprendre! C'est moi qui essaie de te comprendre, mon frère! Ah, mais tranquille! Ah, t'es ton taxi, moi! Je l'ai la ceinture? Oui, j'ai la ceinture! Ouais, mais la ceinture, ouais, mais oui, la c'est ceinture. Bon pour. Oh! Rodriguez! Parfait! Ça va-t-il donc? Qu'est-ce que vous venez faire dans mon établissement personnel? Eh bien, on a eu des plaintes de la part de vos danseuses, comme quoi il y avait une fusillade, donc on est venu. Exactement, exactement, oui, j'allais justement me rendre chez vous-même. Peut-être que monsieur Panis, il a son prénom d'ailleurs. Ah, monsieur Panis, peut-être que vous pouvez lui dire c'est quelle danseuse, peut-être vous avez son prénom, ses coordonnées, son nom de. Mais oui, mais. Téléphone aussi, je peux même. Mais c'est Jennifer. Mais c'est Jennifer, elle est-tu venue me chercher au magasin de vêtements présentement en face? J'en sais rien comment elle s'appelle. C'est Jennifer Bell. C'est Jennifer Bellbush. Oh là là, c'est une jalousie au LSPD maintenant. Y'a pas de jalousie. Oh là là, mais excusez-nous. Oh là là, mais dis donc, pas dit, c'est une roucoulade là qui s'organise. Mais excusez-nous. Y'a pas de roucoulade, tout va bien. Au revoir, monsieur Pichon. Bah, une bonne soirée. Ils se fait tirer dessus, ils utilisent l'heure comme ça. Écoutez. Johnny, dégagez! Dégagez de là, bordel, avec votre hélico de merde là! Johnny Monet! Dégagez de là, merde! Merde! Eh oui! Oh là! Oh là, ça se lance déjà! Il est parti! D'accord, il est, hein! Il a son sang sur l'aile! Ah oui, là, faites attention au réacteur, hein! Faites pas comme les pigeons, hein! Wouh! Oh, aïe 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 aïe, quelle histoire! Oh, j'y vais, j'y vais! La gueule, hein, je vous défonce, hein. Vous êtes par terre, vous relevez pas. Hein. Vous pouvez me taper les fesses avec eux. Non mais c'est quoi ça en fait hein? Vous voulez pas aussi un Mars et une pipe hein? Non, je ne me permettrai pas, mais juste taper ses. Bon, tu payes l'amende ou je te défonce hein? La fesse droite. Défoncez-moi la fesse droite, s'il vous plaît. Dernière sommation, tu payes l'amende ou je te défonce hein? La fesse droite, la fesse droite. Bon, mais c'est parti. Oh, putain, c'est comme à la fistinière. Oh, putain. Oh. Mais quel tocard hein. Tu mettais pas de pantalon, patron? Je... Alors, c'est... Alors... Oui, bon, ça, c'est un truc, alors, hein, calme, alors, ouais. On va se calmer sur l'histoire du pantalon, etc. Beaucoup de gens me parlent du pantalon. Moi, je suis quelqu'un qui porte ce caleçon cœur depuis très longtemps maintenant pour donner... Mais jamais enlevé ? Lorenza, ça te regarde pas. D'accord, pardon. Bon, c'est bon. Venez. Ferme-la, hermana ! Y a le nez qui saigne, là, avec tes conneries ! Attends, j'ai des mouchoirs, j'ai de faire genre des bouchons avec. Non, tout... Dégage ! Attends, mais... Rudy. Attends, tu... Hermana ! Attends, je te fais... Calmez-vous ! Calmez-vous ! Vous allez vous casser... Mais... Il s'arrête pas, ton père ! Et c'est quoi, cette famille de barges, hermana ? J'ai des tampons, si tu veux, je peux les mettre dans ton nez, mec ! Non, tu te les fous dans ton cul, des tampons, hermana ! Bah, ça m'arrive, des fois, quand j'ai la coulante. Yesen. Vous êtes où ? Vous êtes... Je suis dans le lobby. J'arrive, je suis extra. Oui, monsieur. Oui, capitaine. Mm-hmm. C'est Michael Jackson. Mm-hmm. Je suis pas mort. Quel connard. Il a bien joué. Il mérite de gagner. On sait que c'est vous la taupe. Oh. Quoi? Non. Quoi? Quoi? Hein? Quoi? Oh, putain, non. C'est quoi? C'est lui la taupe? Laisse-moi passer. Laisse-moi passer, je vais me le faire. Laisse-moi passer, je vais me le faire. Je vais me le faire. Retenez-moi, je vais me le faire. Je vais me le faire, cette putain de taupe. C'est pas moi, c'est pas moi. Calmez-vous, c'est juste... Vous inquiétez pas. Non, c'est bon, c'est une boutade, c'est une blagounette. Oh. Ah, ok. Mais si vous le dites pas, parce que moi, j'allais sortir le gain. Oh. 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 Oh.
Faut jamais partir comme ça. Ici tu te trouves sur le domaine de Donna. Sors ton flouze, ouais Raboul. On ne te fera rien gratuit. Ici on deal avec les plus grands, avec même les paparazzi. Installe-toi, mets-toi bien dans notre petit salon baldaquin. Mets-toi bien, mais surtout, donne-nous tous tes billets. On travaille avec tous les gangs du quartier. On s'est fait arrêter, mais c'était pas pour de vrai. À chaque fois, lâchez tout de suite ce couteau. Mais vous l'avez pas mais faut la maîtriser, votre sœur Zara. Arrêtez de danser. Je l'avais prévenu quand même. Oh non, mais c'est pas vrai. Je suis millionnaire, dites-le aux informations. Je suis millionnaire! Une feuille, je vais vous émietter dedans, ouais. Je vais vous fumer. Comment ça? C'est moi qui suis fumé comme un saumon. Oui. Est-ce que tu veux un préservatif vaginal? Non! J'ai déjà donné ce qu'il faut. Je vais tomber comme un! Oh, Seigneur, non! Une information importante, Panis et Chloé vont enfin passer à l'action. Ils non, on va pas faire amour, Ahmed. Oh oui, oh. Ils ont des capotes. Et plein, fourni par le LSMS. On va éviter toutes les MS. Si elle avait une petite bouteille de cuvée Prestige, peut-être que ça passerait mieux. Ah, c'est sûr. Hein. On va ramener ça, dis donc. Ça fait plaisir. On flash là. Moi aussi, j'ai pris du temps, je vais la faire lors de mardi soir. Attention. Pareil. Hein. Mais en tout cas, merci à tous de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir intégré et au sein de l'hôpital et au sein de la police, où on s'est beaucoup amusé, mais où on a aussi arrêté les malfrats. Bravo. Bon, l'hôpital est meilleur. J'ai passé un très bon séjour, même si on s'amuse pas dans la police. On est là pour la loi. Et voilà, merci beaucoup, merci aux gens qui ont construit cette ville, parce qu'elle est pas... Je sais qu'il y a plein de gens qui doivent se dire, dis donc, cette ville, elle a pas grand-chose d'incroyable au final, mais... Oups. Elle est quand même assez spéciale. Mettez des gens spéciaux dans une ville banale et... Des gens spéciaux. On se retrouve à vivre des aventures assez incroyables. Tu veux être tasé? Non. Voilà, je vais m'en aller. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Un petit mot, c'est quand même moi qui t'ai ramené là, quoi. Il te lit les messages de Chloé, tel quel. Vas-y. Infiltration 2. Nom féminin. Action de pénétration d'un élément dans un autre. S'applique à plusieurs domaines, comme la construction, la médecine, la biologie, l'espionnage ou la guerre. Tu peux demander sa position? C'est non. Pour l'histoire de la pénétration. Et monsieur Fab, vous pouvez y aller. On va faire ça. Je vais juste leur dire quand j'ai la destination. Et moi je suis au loin, j'ai la radio, donc je peux comprendre. Bon, pas. Pardon, ça va? J'aimerais bien une moto là. Un autre véhicule. Bah, hé, quoi? Arrête-toi! Arrête. Oui, bonjour. Ça va ou quoi? C'est qui? Oh,
Tu n'as pas tout compris. Tu vas monter dans la voiture tout de suite à toute vitesse. Oui. Allez. Oui. Je te prends ton téléphone, tu ne peux plus rien faire, ok? Tu comprends pas? Oui. Allez, trace. Allez, chaton, arrive. Monte. Mais j'ai rien fait, mon dieu. Mais qui nous dit que c'est pas un gros... Mais qu'est-ce que... Oh, monsieur, arrêtez-vous. Quoi? Mais putain. Non mais vous êtes pas bien. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, mais vous êtes... Mais... Non. Bouge. Mais bouge. Meuf, accélère, bouge. Casse-toi. La bonne, c'est qu'elle raconte une envie. Ah. La mauvaise, une, c'est qu'apparemment le capitaine ou depuis la mutinerie, ils ont passé un CIS lieutenant. Un quoi? Et c'est elle qui décide. Et elle a dit dans la saison 2, l'épisode 14 de Gibbs, c'est pas possible. Il n'y a pas de négociation. Ah. Donc, sous le maire, capitaine, you to dis sous le maire. Donc, et ben apparemment. On en parle. Voilà. Moi, il veut bien, capitaine. Mais ah, ils ont appelé des renforts, les fougons blindés. C'est pourquoi ils vous blindés? C'est pour la thune. Ah, c'est pour la thune. Parce que le lieutenant Cuc, il a l'air d'être ok. Hey, j'y suis pour rien, mec. Hein. J'y suis pour rien du tout. Mon cul, j'essaie de travailler proprement, tu me fais entouber. Mais j'ai rien fait, putain. T'es au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais, mais c'est un mauvais moment. Bah, mais tu chiales là? Oui, il est tout émoustillé. Bah putain, mais Luigi. Bah loulou. Non, monsieur Dune, vous mettez pas à pleurer aussi, moi aussi. Bah non, mais. Pleurer, sinon... C'est parce que j'aime pas le voir comme ça. Mais Luigi. Arrête. Mais Luigi, mais pleure pas, putain, mais fais pas ça, loulou. J'en ai pas, mais pourquoi tu chiales, putain? Arrête, on fait planter quelqu'un. Arrête. C'est bon. C'est l'accumulation, mais l'accumulation, c'est pas... de qui? Mais l'accumulation, mais... C'est le stress du travail, j'essaie de... Tiens, oh, merci. Chien, mais m'écoute. Il va sauter. Mais putain. Vous êtes prêts? Oui. Votre ceinture, allez, c'est parti, go. Allez, merci pour la voiture. Ah, c'est votre voiture, celle-là aussi? Non. Bah alors... C'est celle de votre copine Sabrina? Non, c'est celle de ma vache. Elle est où, ma vache, d'ailleurs? Ah, là, voilà. C'est celle de Carla, pardon. Ah oui, d'accord. En fait... T'as vu ça? T'es sûr que je suis pas défoncé, Doc? Ouais, je me suis demandé aussi la première fois, mais le tapis volant... Oh non, elle aussi, putain de merde. Putain. Je t'avais prévenu de pas marcher dessus. De baseball sont partout sur la piste, les concurrents continuent. Même, hein. Message au lanceur de balles, c'est mon dernier avertissement. Eux aussi, je crois. 5 tours. Drapeau rouge, alors que la course. Oh là là, c'est un accident bête.
plaint pour un malaise dans le public. Malaise dans le public alors que la course continue. Non, 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 non. Oh, la triche. Il m'a tasé. Non. Attendez, attendez. Je veux bien fermer les yeux, mais là je ne pourrais rien faire. Je crois qu'il est derrière. C'est toi qui m'as tasé. C'est toi qui m'as tasé. C'est Miguel, ne touchez pas Miguel. Pas tout de suite, faites-le plus tard s'il vous plaît. Miguel, monsieur tu m'as tasé. Non, Miguel. Ne touchez pas Miguel, monsieur Monnier. Tu te fous de ma gueule, Miguel. Tu veux danser sur les balles. Miguel, monsieur Monnier. Miguel, c'est parti en couille. Ne touchez pas Miguel, non Miguel. C'est toi qui as tasé ou pas? Réponds tout de suite, Miguel. Je t'en fous de vous protéger. Non! Laissez Miguel tranquille! Il est descendu, s'il sort un taz. Qu'est-ce qui se passe? Ne tapez pas Miguel! Ne tapez pas Miguel, c'est pas Miguel! Oh putain, il est armé! Non, c'est dans la voiture, dans la voiture, Miguel! Mon tazac, accrochez-vous! Vous êtes touché? Oh, non. Non, 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 vous inquiétez pas, je suis béni! Bon, bah restez dans ma voiture alors si vous êtes béni, c'est pas terminé, oui, je peux sûr, vous le dire! Ne vous inquiétez pas! Bon, un wagon sans moi! Plus qu'un! Oui, mais là, j'ai l'impression qu'ils sont pas mal suivis! Allez hop, allez, ça dégage. Et tire-toi là, tire-toi là. Eh salut, ouais. Merde, y'a un mouton, ou je fais quoi? Tire-toi là! Tire-toi toi! Pas mieux! Dans toi, pas mieux! Qui a déjà su ses potes? J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Vanessa. Et maintenant qu'elle m'aime, je lui mets la bague au doigt. Ouais, ouais, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Vanessa. Aujourd'hui t'officiel, on se marie toi et moi. Avec style, je débarque et je l'interpelle. Un contrôle de routine, une petite fouille corporelle. Juste un battement de cils, je deviens statue de sel. Moi qui ne suis pas docile, je le serai, ouais, avec elle. Tu m'as pris en otage, comico, oh oh oh. Tu me sentais vraiment comme ton héros, oh oh oh. Je te vois débouler dans ma vie en moto, oh oh oh. Ça a fait monter mon chapiteau, oh oh oh. Ça va? Mais aidez-moi à revenir à la vie. Ah mais ça je peux pas. Mais non, si vous pouvez, vous êtes médecin. Ça va pas, vous êtes malade. Non, je suis pas malade, je suis mort. Je ne vois pas mon corps, j'ai l'impression d'être dans le coma et je vous vois, mais vous ne me voyez pas. Non mais là il faut un exorciste hein. Mais non, fais pas un exorciste, il me faut un médecin. Attendez, je vais essayer de palper. Est-ce que votre surface corporelle qui n'existe pas trop avec le film. Bon, il va devoir aller à la police. Pourquoi? Et il va chercher ton cadeau de mariage, c'est la tête de Chloé. Non mais range-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles ce qui s'est passé ici ou pas? Et il était... Ah non, pas le bitume. Non, non pas tu te rappelles ce que t'as fait là? Ou pas? Et j'ai besoin de vous la savoir, non. Tu t'en rappelles sens... pas? Non, il y a ça venir une grosse connerie. Non, tout au calme. Non, tu t'en rappelles pas? Et si, il me rappelle. Non, qu'est-ce que tu fais? Non, mais qu'est-ce que tu fais? C'est non. Non. Comment qu'est-ce ça, c'est non? Non, mais c'est pas non. Non, mais on est déjà mariés, on peut pas le faire. Mais on peut faire un peu mieux quand même, genre, tu m'as roulé dessus comme pas possible. Ici, tu m'as écrasé, tu l'as fait dans le coma, j'ai même pas eu mon mot à dire. Mais bordel de merde, tu m'as dit urgent! Moi, j'arrive avec l'outil! Arrête! Fini, on discute! Rencontrer quelqu'un. Il n'y a toujours pas eu de premier rendez-vous, mais j'estime déjà, je pense déjà au déménagement, au mariage, etc., etc. Ah bah écoutez, le mariage pourrait être fait ici, vous savez. Oui, je sais. J'ai annoncé tout ça au capitaine.
Et depuis cette nouvelle, le capitaine le vit très mal, j'ai l'impression. Capitaine, est-ce que vous confirmez ou vous avez votre propre version des faits? Non, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Dites-moi tout. Je suis heureux pour lui qu'il soit heureux avec une autre femme. D'accord. Voilà. Mais mais on était bien ensemble dans la coloc. Et ça vous fait mal de perdre un ami? Oui. Mais... Oh non, mais là... Ça on... commence si mal, putain. Il est pas décollé, hein. Non, non, non. Il fait mal chali, hein. Oui, oui. Il est un peu plus des croûtes. Ah, moi non plus, hein. Il est pas derrière, parce qu'il si, voit... il est derrière, mais... Non, attention, Miguel, arrêtez-vous. Arrêtez-vous, Miguel. Arrêtez-vous, Miguel. Mais putain. Docteur, oh, il faut y aller. J'y vais. Oh. Bah écoutez, là il n'y a pas le choix, c'est on doit les défoncer en fait. Attends, qu'est-ce que... Coulez ! Mais... C'est qui ? Vous avez le bonjour des Vagos. C'est eux putain, fais demi-tour, c'est eux, voiture bleue. Attends, tu penses pas... Attends, y'en a l'appel Marius. Ouais mais juste venez pas. Là, on n'a pas le choix, c'est on doit les défoncer. Coulez. Allez, let's go. Merde, que... Police. Gaz. Attache un tour. Ah, c'est votre placard. Chemin de traverse. Vous êtes tombé à la reverse. Ça va, non, monsieur? Non, du tout. C'est là où je baisais Hermione. Oh putain. Oh là, trop de grossièreté. J'ai peut-être un peu dérapé dans mon RPG. Oh putain. Trop de grossièreté, je peux pas supporter, ouais. Coupable. Alors, c'est on va s'asseoir tous ensemble en rond. Non! Docteur Straoul, on va avoir un souci. Docteur Maison, on va avoir un souci. Comment ça, cher ami? What? Cher ami. Docteur Maison, j'ai sauté d'un avion en marche et je suis pas mort à l'atterrissage. Tout va bien. C'est vous là qui êtes en avion au-dessus du SMS? Non, y'a plus personne dans l'avion. Oh, c'est bien, mais pourquoi ils volent tout seul? Je me suis trompé de touche, j'ai essayé de rentrer le train d'atterrissage, j'ai essayé pas mal de touches et j'ai pas appuyé sur la bonne. Pardon? J'ai essayé de rentrer le train d'atterrissage, déjà j'avais réussi à pas me crash. J'ai essayé pas mal de muscles pour le rentrer. Okay. Bon, qui saute en premier? Ah tu vas... Attends, oh. Vas-y, c'est mon idée, je vais y aller en premier, vas-y. Oh putain! Oh con! Allez, on avance. Tasse les sangliers, tasse les sangliers, reconnais. Non, 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 ne tasse pas les sangliers. D'accord. Mais déjà, calme-toi là. Quoi, pourquoi? Les sangliers, c'est sacré. Ah ouais? Je peux te dire que j'en ai dépucelé plus qu'un, moi. Dépucelé. Non, mais tu fais ce que tu veux. Mais en dehors du vignoble, tu fais ce que tu veux. Est-ce que vous l'auriez en blanc par hasard? Ah oui, bien sûr. Eh ben voilà, c'est on venait pour ça. Il est possible de le goûter? Par contre, excusez-moi, il y a messieurs les policiers. Ah, tout le monde veut me parler, mais c'est pas possible. Non, mais allez, occupez-vous de ces messieurs. Pas, pas de soucis, on n'est pas pressé, pas de soucis. Attends, mais ils viennent justement pour parler de tout. Peut-être tu passes?
De quoi ça... Viens, ça, ça va tranquille le mec. Regarde. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. C'est pas... Il y a... Vas-y, vas-y, fuis, il nous montre. On se casse. On se casse, il y a brouille. Vas-y. Barre-toi. Oh putain. Mais non. Mais là, c'est dur. Bordel de merde. Eric, saleté, va, tu te dis irlandais, mais t'as rien d'un irlandais, t'es surtout une pourriture de communiste de merde. Tu te trompes, mon pote, tu te mets le Big Mac dans l'œil. Ah, tu verras, le seul truc qui sera rouge, c'est ton sang sur mes poings, espèce de fils de pute. Ah, c'est apparemment un langage fréquent dans votre police de fils de pute. Ouais, c'est surtout toi, avec tes paroles et ton idéologie de fils de pute. T'as l'air de bien connaître ma mère, elles ont dû bosser ensemble, sale fils de pute. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, elle m'en dira des nouvelles, espèce de fils de pute. J'ai pas de suite à ça, mais je me contenterai de te traiter de fils de pute. Ouais, et ben je conclurai en ayant le dernier mot. Ouais. Fils de pute. Tu veux des aveux? Ouais, j'ai planté des espions, tu veux que je te dise combien j'en ai planté? Bon les amis, il y a le Montazac là. Il oui. essaye de faire accuser Henriette de proxénétisme. Bah c'est sûr que bon, après proxénétisme quand même, on voit la Henriette, on se dit quand même, hein, c'est plus une mamie gâteau qu'une mamie pute. Hein. Ah bah oui. Effectivement, dit comme ça. Ah bah non mais c'est vrai, tu vois la Henriette, tu dis bon c'est sûr, ça a sûrement été une bonne bagnole, mais est-ce qu'on a encore envie de monter dedans, pas sûr. À l'argument. Nous sommes tous. Oh, la météo est pas clémente, ouais. Oh, je crois que j'ai mon parachute. Voilà, ouais. Certains en ont, d'autres tu l'as pas. Encore, oui, d'autres n'ont pas. Ouais, je crois, pas sûr. Non, mais vérifie, oui. Attends, mais tu veux pas nous mettre au-dessus de l'eau, comme ça, si j'ai pas mon parachute, je plonge. Il est en train de péter, le coucou, là, qu'est-ce qui se passe? Oh, mon Dieu. Oh, non, mets-nous au-dessus de l'eau. Mets-nous au-dessus de l'eau, Johnny. Je l'ai vu tout seul. Mets-moi au-dessus de l'eau. Oh, non, ça, Anthony, que c'est mort. Oh putain, Marius, y'a pas de parachute. Adieu, Marius. Ce que vous nous demandez là, c'est pas très NCIS. Du coup, je vais vous demander, est-ce que vous voulez vraiment porter plainte? Parce que nous, on a des vraies enquêtes comme Gibbs. Ouais, alors, est-ce que être flic, du coup, c'est assez NCIS pour toi ou pas? Parce que change de métier, sinon meuf, hein. Non mais oh, attendez. Là, reste, non mais attendez, moi j'ai l'humeur qui boite. Bien sûr que Netflix c'est comme dans NCIS, mais moi je mène des enquêtes comme Abby. Hein. Regardez, j'ai d'accord, une super lampe pour chercher les tâches comme dans NCIS. Ouais, bah va chercher les tâches là-bas, nous on va porter plainte. Ah bah les tâches, j'ai pas besoin de les chercher bien loin, j'en ai deux en face de moi. Non mais meuf, tu t'es trompé de job, c'est pas possible, peut-être pas des gens. Punchline réussi. Coupé générique. Oh mais wow. J'en peux plus, mais elle s'est fait. Ah, j'ai des coups d'aide. Vous avez réussi à voir le disparu? On réfléchit beaucoup, mais bon, c'est vrai que c'est pas du tout comme dans NCIS. Hein. Du coup, elles sont toutes en désaccord avec moi, mais vous inquiétez pas, hein, j'essaie de forcer parce que bon, c'est pas NCIS tout ça. Hein. Bah oui, quand même. Moi, j'aurais dû m'en douter. Mais il est cassé. Bonjour, c'est... officier parmi. Ça va? J'y vais, et vous? Oui, ça va. Oui, ça va, j'ai une grande nouvelle, Panmi. Oh. C'est Panmi qui va être au courant en premier. Oh, je vais me marier, Panmi. Oh merde, j'ai tué ma femme. Oh, ah bah oui, j'ai ce que vous... Il veut pas. Oh là là. Dis au patron de venir me voir, on va pas... Oh là là, on prend tous les risques. Ça s'appelle le courtoisie, patron. C'est le problème du patron, il est trop brut. Ok. Oh mon dieu. J'aurais pas dû te porter, c'était une mauvaise idée, c'est sûr. Oh mon dieu. Oh, j'arrive pas à sortir, au secours. Oh, quelle histoire. On est où là? Sortez, monsieur Johnny. Ah non, il est hors de question qu'on laisse maman Johnny.
Ok. Oh non. Oh, oh la dinguerie. Mais comment je te la... Très belle coiffure. Et nous avons la même. C'est pour ça que je dis qu'elle est très belle. Ah, vous êtes quelqu'un de blagueur, monsieur. Oh, j'adore m'auto-sucer. Vous aussi ? Vous aussi ? Mais il casse les couilles aux news là, putain, on fait rien là. Oh là là, tout le monde. Eh, ça commence à me pomper le jonc là, que tout le monde suce la bite à Lucie. Bon, sérieusement écoutez, vous voulez qu'on aille au Weasel News et qu'on les prenne en otage chez Kounar? J'en sais rien. Oui, on peut y passer, larguer trois cocktails Molotov et basta. Eh. Si, c'est une bonne idée. On peut jeter des cocktails Molotov en étant dans une voiture? Il n'y en était pas, mais ça me paraît risqué. Une mauvaise quoi? Bah alors, Dr Cox? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ces méthodes que j'apprends par les nouvelles? Mais y'a rien du tout, putain! Vous êtes quoi là? Magazine de mode? Mais non! Vous me faites chier juste parce que la meuf avec moi elle porte un pull monde! Qu'est-ce que vous en avez merde? Cassez-vous! Une ville comme ça, on est où là? Oh, et on braque des gens dans une vie gratos. Ouais, mais tu crois que je la comprends pas la vie? Ah, pff, c'est moi qui comprends pas grand chose alors qu'il comprend pas ce qu'était un TDI. Oh là! Oh la merde! En stress là. Non, ça ouais. Va aller. C'est l'heure de la danse. Ah ouais, d'accord. C'est si beau. J'adore le Devon, c'est vraiment beau. Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Attendez, le t-shirt de Devon. Non, mais ça va pas, là c'est l'attentat à la pudeur, hein. Ah ouais, d'accord. Non mais Lorenza, t'attires les fous. Devon. Non mais c'est trop. Y'a rien qui va, le choix de la musique et tout. J'aime beaucoup la musique. Mais je crois que c'est possible que dedans il y ait Carla. Je suis pas sûr. Ah, c'est bon, je crois. Mais non, c'est Carla. Ouais, ouais, elle est montée dans la sauce. Qu'est-ce qu'elle fout là? J'avoue qu'il s'y attendait pas quand la maman s'est ouverte. Mais gros, elle est malheureuse, c'est tout. Elle me suit partout, elle me suit partout, quand même. Non, hey, non, mais attendez. Et là, tu vois, regarde, hey. Oh la vache, tu vois, elle marche la blague. Oh non, mais elle est malheureuse comme tout là, c'est horrible. Non, je voulais lui montrer la vie, mais. Attends, Carla, calme-toi. Non, pardon. Ouais, c'est pas mal. Attendez, elle me suit partout normalement. Doucement. Voilà, pardon. Ellie, excuse-moi. Ellie, t'es pas. Ellie? Eh, calme-toi, Ellie. Ellie, attention. Tranquille, la seule personne qui sauve ta vie ici, c'est toi. Parce que tu es l'unique responsable de ta vie. Je veux plus sauter, Sam. Elle est là pour moi. Lève-toi alors, lève-toi. Je vais essayer. Lève-toi, regarde, on est tous là. Meunier, décale-toi. Guy, décale-toi. N'importe quoi, mais quelle organisation de merde, mais au bûcher! Tout ça pour faire gagner la police là! Mais au bûcher, monsieur! Non mais monsieur, permettez-moi de faire ceci! Ben je m'intéresse. Excusez-moi monsieur, on peut ouvrir un peu la fenêtre, je crois que Ted il a pété.
Oui, allez-y. C'est qui Ted? Ça t'arrange bien de dire que c'est Ted, hein, quand c'est comme ça. Ted, c'est Oui, c'est qui Ted? Ted. On peut faire des doigts ou pas? On peut faire des doigts, c'est tout est possible. C'est tout énorme, signe sympathique peut être. Voilà. Mais comme vous voyez qu'ils sont. Voilà tout... Pardon, je croyais que je sortais mon doigt, je sortais autre chose. Ouais, par contre, ça a rasé mon doigt. Ça a rasé mon doigt. Vous avez tiré devant le commissariat. Ça a surtout rasé votre menton, monsieur. Non, mais je. Johnny, tout va bien, Johnny. Oui, tout va bien, vous inquiétez pas. Ouais, vous avez la tension dans le coude, là. Non, mais Johnny, j'ai le cache dans le haut. Tout va bien. Le policier est tombé, Johnny. Comment ça T'as tué un policier, Johnny. Ça a touché quelqu'un? Mais non, mais c'est pas vrai, oh, ça a vraiment touché quelqu'un. Non, bah, c'est vrai, regardez dans le comico, mais barrez-vous de là, bordel. C'est un accident, je pourrais tout expliquer, mais j'ai la flemme. De l'ancien. Oui. C'est la merde. Quoi? Mais... Juste après... Je suis passé dans les bouchons. Ouais, il faut avancer là. Attends. Qu'est-ce qui se passe, Antoine? On a pas un barrage pour les sangliers, monsieur. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, nemmeno il cielo che ci guarda da lassù. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità, e un grande amore mai più grande esisterà. Ah voilà. Oh. Et toi, t'es un garçon, donc tu devrais savoir. Ouais, dis-moi. J'ai vu Jim tout nu et j'ai eu chaud. Ah, très chaud. Chaud. De partout. Ah, de partout. Et... Ça, c'est normal, ça. En plus, il était musclé, il avait des tatouages. Oh, ah bon? Ouais, mais chaud, vraiment chaud, hein. Des endroits où je savais même pas qu'on pouvait avoir chaud. Ah, mais ça, c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est une réaction normale. Ah, c'est normal. Mais pourquoi j'ai pas ça avec les autres gens? Juste lui. Ça veut dire que Jim, il te plaît plus que les autres. Et qu'il te plaît. Oui, mais ma sœur, elle me plaît. Et... Enfin, je veux dire, oui, je l'aime beaucoup et. Alors, je vais être honnête avec toi, t'es peut-être amoureuse de lui. Oui. Bah, ça. J'en doute pas, mais... Ah voilà, donc c'est pour ça. En fait, c'est une réaction naturelle de ton corps. En gros, c'est de la chimie. En gros, c'est ton cerveau qui montre à ton corps que cette personne te plaît. Et du coup, quand on est amoureux, on a la culotte qui colle. Voilà, exactement. Aïe! Oh, c'est bon. Oh, Camoulox! À un moment donné, va falloir arrêter de me faire chier, docteur. Viens ici. Je suis toujours bloqué, mais... Tout va... Monsieur, qu'est-ce que c'est que ce bordel? À un moment donné! Toi aussi, oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, attends! Mais Miguel, non! Pas commencer à me faire chier! Bon, moment donné! Mais qu'est-ce que c'est que cette bagarre? Ah! Vous inquiétez pas. Mais Miguel, oh, tu arrives! Oh. Mais... Miguel, c'est normal, vous inquiétez pas.
Les animaux. Ah non mais les trucs. Attendez, c'est normal. Mais non. Voilà. Non mais c'est normal, docteur Croûte. Docteur Croûte, c'est normal. Parce que Miguel est tout bloqué des muscles. Oh mais pas de l'eau. Allez, allez-y, lieutenant, là, il est bloqué. Ok, j'ai fait des. On l'a eu. Get down, now, get down on the ground. Parce qu'il n'a eu pour son garde. Bah voilà. Ouais, bon, ok, intervention réussie, on l'a capturé, capitaine. C'est bon, c'est dans la poche. Enfin. On a. La Chlory King ferait encore plus d'effet à Fab qu'un taser. Ferait prendre un pastis aux familles à 6 heures. Mais elle a pas suffi à réparer mon cœur. Et ça fait mal. La Chlory King, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est. Pardon, c'est quoi? C'est maison qui m'est. Pas mettre ça le premier qu'il voit, ça repart, la Chlory King. C'est c'est où, c'est eux, c'est vous. C'est dans cette ville, c'était surtout des moments de fou. La Chlory King. Merci Los Santos. Merci à tous. Merci, merci Monsieur Traoul, c'était incroyable. C'était très bien Monsieur Didier, félicitations. Merci beaucoup. Moitié, moitié. Dona, Dona, débouche là, débouche là. Dona, Dona, débouche là, débouche là. Dona, Dona. Ah, c'est un danger, c'est sûr. Débouche là comme le chat. Il m'a dit oh. Dona, Dona, débouche là, débouche là. Dona, Dona, débouche là, débouche là. Dona, Dona. Et voilà. RPZ, 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 sans ceinture comme ma garantie. RPZ, 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 merci et Doc et les Speedy. Une pensée pour le capitaine et ses unités d'élite. Chantage, otage et course poursuite, je vous laisse deviner la suite. Les braquages en panique, tous planqués dans le Pacifique, les poches pleines. Attendez, docteur, il faut lui laisser 2 minutes. Attendez, mais c'est Lucie. Bah si, écrasez-la. Allez, c'est parti. Une nouvelle intrigue commence. Ah mais c'est le requin. Ah mais... J'ai besoin de ce doigt. Et je t'aime, Sarah, et... Mais moi aussi, je t'aime, mais... Et ça va bien se passer. Tu sais ce que je te dis toujours, tu fais attention à toi. Faut faire comme si je te voyais demain. Tu fais attention à toi, on se voit demain, alors.
Oui, je t'appellerai tous les jours si tu veux, je te raconterai mes aventures. Et quand je verrai des poissons, et quand on aura emménagé avec Jim, on t'enverra des photos avec mon smartphone. Et puis après, je te présenterai mes nouveaux amis, tu verras. Et tu pourras venir me voir toi aussi quand ça sera sûr. Quand bah on oui, sera bah sûr. J'espère que tu me tiendras au courant quand même. Oui. Mais qu'est-ce que je vais faire sans toi? Mais si, tu verras. Tu arriveras. T'as pas besoin de moi, t'es incroyable, même sans moi. T'as toujours été incroyable. J'ai toujours voulu être comme toi, mais maintenant je suis comme moi. Et toi, tu seras comme toi. Et on t'oubliera figure-toi pas. Que c'est, figure-toi, c'est beaucoup mieux que tu sois comme toi que comme moi. Hein. Moi, je te le dis. Arrête. Sans toi, j'aurais jamais été. Il y a quelques mois que on serait là, je l'aurais pas cru. Ouais, je suis d'accord. Je t'aime, Lucie. Moi aussi. T'es prêt? Prêt? Vous comptez 10 secondes. Allez, 8 secondes, 8 secondes. Ok. Vas-y, à 3 on part. 1, 2, 3. Sont finalement aussi fiers de toi. Ça prouve bien à quel point tu brilles et t'as un avenir radieux devant toi, Lorenza. C'est toi et moi contre le reste du monde, hein, Lara. Ouais. On va essayer de pas foirer le dernier décollage. J'espère que Lucie et compagnie, ça se passe bien, mais bon. Tout le monde est derrière elle, visiblement. Hey Johnny, te foire pas. Ville de dégénérés. Il a pas peur de se salir les mains. On prend congé. Il s'en sort toujours grâce à son baratin. C'est Johnny fucking Money. Il a débarqué à Los Santos. Il a rejoint les vagos. Il est pas. D'accord, GG, je lui dirais ça. Je lui dirais ça. Tu sais, je t'aime, Bernard. Moi aussi, GG. T'as été le meilleur des grands frères, GG. Je t'aime. T'as été le meilleur des petits frères. Allez, salut, Bernard. Salut, GG. Je reviens peut-être. Oui. Et désolé pour mes conneries encore. T'inquiète. Salut Bernard. T'inquiète. Au revoir. Embrasse le Jim. Et lui de faire gaffe à l'autre folle. Oui, t'inquiète, je fais gaffe à lui. Je fais gaffe. T'inquiète. Au revoir. Salut GG. Salut Bernard. Salut. Salut, c'est toi, gars! Bonjour! C'est toi, le gars? Ouais, j'imagine. Donne tes papiers d'identité, je vais m'en occuper! Ah, comment je te fais ça? Hop. Je les montre? Ouais, pichon, c'est ça!
Ouais, Gérard. Ouais. On va faire un truc mieux que ça, gars, t'inquiète. Allez, tu peux dormir là, je m'occupe de tout. Ok. Avant sa piquette de merde, c'est malsain. Un gros coup de cœur pour les frères Croûte. Sincérité fait aucun doute. J'ai dans leur camp, coûte que coûte. Et la vie des autres, j'en ai rien à foutre. Un vieux copain bourré, aucun lapsus. Depuis qu'on se parle, c'est le consensus. Pose cette bouteille, mon bon vieux Marius. Je veux pas que tu meurs d'un infarctus. Je garde le meilleur pour la fin, tu le sais. Évidemment, cette dernière, c'est Chloé. Et tu l'auras si bien prononcé. Donne des aiguilles, j'ai envie de lécher. Et comme tu l'auras si bien prononcé, mais t'es des gens exceptionnels. Et comme tu l'auras si bien prononcé. Minute ou autre dans un coin ou à la plage ou ce que vous voulez. J'aimerais avoir Michael, s'il vous plaît, sur le. Ok. Vas-y, Michael. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Est-ce que je peux passer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oui, bah. Réussi, co-commissaire. Avec tout ce qu'on a pu voir, est-ce que vous avez pu faire. S'il vous plaît, taisez-vous. Avec tout le boulot que vous avez pu faire, le peu de boulot pardon, que vous avez fait, quoi et que vous êtes venu juste pour une blague, et que les jours que vous êtes venu, vous n'avez vraiment pas fait trop d'enquêtes, je vous rétrograde en tant que cadet. Oui, félicitations. Faites bonne chance. Arrêtez. Maintenant, je vous laisse. Allez. On y va? Oh bon Dieu. Non putain de merde. Non mais non putain. Non mais on fait pas ça. Putain. Non. Pardon? Pardon? Miguel? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais qu'est-ce que tu fais, débile? Mais... Oh non, mais... Il faut se casser. Il vous a encore. Oh merde, non. Ça, c'est un problème. Ah, pourquoi t'accélères pas la voiture? Mais qu'est-ce que. Ah putain, ça va être compliqué. Et hop là, c'est qui les. Docteur, il se réveille.
Monsieur Collins, je suis le docteur Dupont. Prenez votre temps. Vous êtes resté 6 ans dans le coma.